verra bien si quelques personnes viendront en retard. Mesdames, messieurs, très chers anciens diplômés, étudiants actuels de notre école, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Yolande Esterman, je suis responsable du département information documentaire ici à la Haute École de Gestion. Et c'est moi qui ai le plaisir d'ouvrir la conférence de M. Jackson aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons ce printemps un cycle de conférences avec trois conférences. Une première conférence en gestion de l'information, la deuxième de ce soir plus directement liée à la bibliothéconomie, et dans 10 jours, nous aurons une conférence en archivistique, puisque nous allons accueillir Carole Couture, qui viendra nous parler de son expérience. Alors j'espère que c'est la première d'une longue tradition, et que désormais nous instituerons un cycle de conférences au printemps. Aujourd'hui, nous accueillons donc Alain Jackson. Alain Jackson qui, depuis de très nombreuses années, si j'ose dire, a accompagné, soutenu notre école et a manifesté en fait sa présence en soutenant notre département. Vous voyez, je m'excuse, je suis un peu émue, mais c'est vrai qu'une leçon d'adieu, ça émeut le responsable de filière. Voilà. Alors, Monsieur Jackson, vous ne le savez peut-être pas, mais dans les années 70, au début des années 80, avait le poste de directeur de l'école. Et il a un petit peu été le prédécesseur de ce qui est devenu notre école et de ses transformations. Mais dans le cadre des institutions genevoises, il a occupé de nombreuses autres fonctions très importantes. Puisque, après avoir été directeur de l'EBG, École de bibliothécaires de Genève, il a été responsable de l'informatique des bibliothèques à l'Université de Genève, pour ensuite prendre le poste de directeur des bibliothèques municipales de Genève et ensuite le poste de directeur de la bibliothèque publique universitaire qu'il a lui-même transformé en bibliothèque de Genève. Vous voyez donc quel riche parcours a fait M. Jackson durant toutes ces années. Et puis, durant toute cette carrière qu'il a incarnée dans Genève, j'ai une fois eu la bonne idée, si j'ose dire, de l'inviter dans le cadre d'un cours et de venir nous en parler à des étudiants du CESID. Et je ne vous cache pas que parlant là de son expérience, des contacts qu'il avait pu avoir avec tous les politiques, ça a été un des grands moments de notre école et je l'en remercie encore. Parce que je crois que c'est un élément très important, c'est que dans toute cette carrière de professionnel de haut vol qu'a conduit M. Jackson, il est resté fidèle à sa chère école, comme il l'appelait. Il envoie des mails, il dit « chère école ». Il ne dit pas « bonjour Yolande », il dit « chère école ». Donc il est resté fidèle à cette chère école, puisque pendant toutes ces années, il a enseigné. Il a enseigné aussi bien l'automatisation des bibliothèques, par la suite les bibliothèques virtuelles, et puis évidemment, suivant, si j'ose dire, l'actualité, Google et les bibliothèques. Parallèlement à ça, il avait évidemment ses publications au Cercle de la Librairie à Paris. Eh bien, je vois dans cette salle de très nombreux anciens étudiants, de très nombreux étudiants actuels, et je sais, chacun d'entre vous, combien l'examen Jackson vous fait l'estomac. Alors, je pense que ce soir, ça va vous faire très plaisir d'être là, de manière détendue, de pouvoir l'écouter sans se dire, nom de bleu, je n'ai pas besoin de réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me poser comme question sur ce qu'il vient de raconter. Voilà. Et Monsieur Jackson a donc, comme ça, accompagné notre école. Et une des dernières, je dirais, participations actives à laquelle il a été, c'est qu'il a fait partie de la commission de nomination de notre dernier professeur qui s'appelle Stéphanie Pouchot, qui doit être ce soir ici dans la salle et qui a souhaité avoir une fois un cours de Jackson. Alors, je ne sais pas où est Stéphanie. Ah, c'est pas vrai, elle a retrouvé la salle C314. Bon, elle va arriver. Pas de soucis. Je suis sûre qu'elle sera ici. Alors, Alain, pour tout ce que tu nous as apporté, nous te remercions tous.
toute l'équipe, on a pu bénéficier de ton expérience, de tes connaissances, de ta gentillesse, de ton savoir, et tout ça, tu l'as partagé avec chacun d'entre nous, et nous en sommes profondément reconnaissants. Alors, il est vrai aujourd'hui que nous avions un petit peu intitulé ça une leçon d'adieu. Alors, c'est terrible, les mots adieu, hein. On a l'impression qu'on ne se verra plus. Surtout que moi, je suis persuadée que c'est peut-être une leçon d'adieu dans la mesure où, en termes d'enseignement, c'est peut-être un peu ta réflexion finale que tu peux passer à tes anciens étudiants ou tes étudiants actuels. Mais je pense néanmoins que nous aurons encore de très nombreuses collaborations et je m'en réjouis par avance. Je te donne donc la parole. Merci d'être là. Merci. Merci Yolande, j'ai un peu l'impression que c'est ce soir moi qui passe un examen. Enfin, c'est une autre histoire. Chacun son tour. Ah voilà. Après avoir enseigné pendant plus de 30 ans à l'école de bibliothécaire et ses noms successifs, il m'a semblé sympathique ce soir de dire merci à ce qui a été mon plus fidèle employeur, puisque aucun d'autre n'a été mon employeur aussi longtemps. Mon père et ma mère étaient libraires. Il y avait donc une certaine fatalité à ce que je rejoigne la rue Prévost-Martin pour prendre devenir étudiant à l'école de bibliothécaire. Outre les fondements de la société, du métier, nous avions la possibilité de bénéficier de quelques pointures intellectuelles genevoises, comme Alfred Berchtold, comme Albert Py, qui nous a fait lire les choses, qui nous a fait lire les choses de Georges Perec quelques dizaines de mois avant mai 68. Mais l'essentiel de notre formation ne se résumait pas aux aspects techniques. Au sein de l'école, nous avons bénéficié de cours sur le futur des bibliothèques. Un professeur de l'université, professeur également à l'école, nous a enseigné que le futur des bibliothèques serait des fichothèques et que nous serions submergés de microfiches. Évidemment, malgré les compétences de ce professeur dans l'histoire du livre et de l'écriture, ce n'est pas ça qui s'est passé. Nous avons eu en fait bénéficié de deux maîtres à penser. Le premier était Jean-Pierre Clavel, directeur de Lausanne, qui nous a donné un cours sur l'automatisation des bibliothèques et sur l'organisation des bibliothèques, et un de ses volets était l'informatisation. Ensuite, nous avons eu un deuxième professeur, enfin qui m'a semblé extrêmement important, un Américain, formé en Library Science à la Case Western University, George Thompson, qui travaillait alors comme directeur de la bibliothèque du BIT et qui, pour la première fois, nous a parlé de système intégré, de thésaurus et de recherche en ligne. L'école a eu aussi l'immense avantage d'avoir ces deux personnages, ces deux directeurs de bibliothèque prestigieux à la commission des études, et je pense qu'une grande partie de l'évolution future de l'école de bibliothécaire a bénéficié de ces deux personnages. Je ne vais pas vous faire subir soit un cours d'informatique, soit un cours de technologie, soit un cours d'historique des bibliothèques genevoises. J'ai essayé de parler de deux choses. L'un, la transformation physique des bibliothèques au cours des dernières années, et deux, les problèmes économiques qu'ont subi nos bibliothèques. Première chose qui est arrivée, c'est la fin des bibliographies de plusieurs kilos. À l'époque, nous étions tous abonnés à un certain nombre de bibliographies spécialisées, Chemical Abstracts, Engineering Index, Index Medicus, dont les volumes nous arrivaient chaque mois et pesaient plusieurs kilos. C'est évidemment vers 1966 que les transformations ont eu lieu, que Chemical Abstracts a passé de sa version imprimée à sa version en ligne. L'école a bénéficié d'un terminal qui ressemblait plus à une machine à écrire qu'autre chose et qui a été transformé, qui a permis d'interroger les bases de données en Californie. Internet n'existait pas, nous utilisions TimeNet, TeleNet, toute une série de produits qui ont aujourd'hui disparu.
Le passage de Chemical Abstracts à la recherche en ligne s'est passé de façon en douceur. Les versions papier, le coût des versions papier a été transféré à l'interrogation des bases de données. Le tout s'est passé sans grand changement. Seule une nouvelle ligne apparaissait au centre de compétences des bibliothèques, au compte des bibliothèques. Il s'agissait de la ligne télécommunication. Première évolution majeure qui s'est plutôt bien passée. Pendant ce temps, les bibliothèques américaines commençaient à être extrêmement inquiètes du coût astronomique que prenaient les périodiques papier. Une flambée des coûts était absolument impressionnante. On voit ici la ligne qui suit et qu'on pourrait continuer encore aujourd'hui des périodiques. Mais ce qui était aussi important, c'est de voir la ligne inférieure. C'était le nombre de monographies que nous pouvions acheter. Donc on voit très bien qu'il y a eu une évolution tout à fait claire, que les périodiques, et notamment les périodiques électroniques, ont mangé la plupart du budget d'acquisition des bibliothèques, notamment en prenant sur les monographies qui paraissaient en sciences humaines. Généralement, ces monographies devenaient de plus en plus restreintes. On passait de tirages de 700 exemplaires à 400 exemplaires, ce qui montait le coût unitaire et qui causait des difficultés dans d'autres domaines. Le coût des périodiques papier est donc quelque chose qui est absolument clair, mais de choses assez étonnantes, les autorités universitaires n'ont pas voulu prendre en compte. Évidemment, quand on avait 100 abonnements à quelques francs, ou un abonnement chez Elsevier, Springer, Willett, à plusieurs millions, l'un passait de façon quasiment insensible, alors que l'autre, les comptables, évidemment, commençaient à regarder avec attention ce qui commençait à se passer. Alors, les choses se sont passées de la façon suivante. Les autorités universitaires ont été tout d'abord extrêmement choquées de ça. Ils ont lancé des enquêtes, des restructurations, des audits sur les bibliothèques pour voir quel était le problème, pourquoi autant d'argent, elles avaient besoin autant d'argent. Alors, les choses se sont passées de cette façon. En parallèle, le modèle économique changeait énormément. Les bibliothèques étaient propriétaires des documents qu'elles achetaient, notamment les périodiques. Elles devenaient locataires des périodiques électroniques. Le modèle économique était en train de changer de façon totalement progressive, sans à-coup. C'était quelque chose dont on ne se rendait pas compte. On devenait locataire du savoir scientifique. Et il y avait là, évidemment, un dysfonctionnement majeur dont on ne s'est pas rendu compte immédiatement. À qui la faute ? Comment sommes-nous arrivés ? Là, c'est le coup de la... C'est la semaine de Rousseau. Hein. Bon. L'histoire du livre nous donne également un certain nombre d'informations. Vous savez que les premières publications scientifiques datent de 1665, c'est le Journal des Savants et les Philosophical Transactions de la Royal Society. Ce sont les deux premières revues scientifiques. Mais en fait, les revues sur le modèle qu'on connaît aujourd'hui viennent du 19e siècle, viennent de l'Allemagne, des Zentralblätter, qui étaient publiées par les académies, par les universités et par les sociétés savantes. Les savants tenaient entre les mains leur outil de publication. Ils étaient responsables de ces publications. Et cela entre les deux guerres. À ce moment-là, un scientifique, ça saute tout seul, un scientifique très connu, un physicien, Rutherford, nous a dit qu'il est même essentiel que les hommes de science s'intéressent à la gestion de leurs affaires, sinon le fonctionnaire d'État s'y mettra, et alors que Dieu nous protège. Eh bien, les choses ont tellement évolué que ce ne sont pas les fonctionnaires, mais que ce sont les éditeurs qui ont pris la main
à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, Springer n'était encore qu'un imprimeur, et Elsevier, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ne comptait que 11 employés. Pendant les 30 glorieuses, les savants ont complètement ignoré leur publication. Ils voulaient faire de la recherche et ils ne voulaient pas se consacrer à cette activité annexe qu'était la publication de leurs résultats dans des revues. Ces revues ont été progressivement prises en main par les éditeurs et nous en sommes arrivés à la situation actuelle qui coûte des millions d'euros, de dollars et de francs suisses aux universités. Le désintéressement du processus de publication a conduit les chercheurs à se jeter dans les griffes des éditeurs qui pensaient plus à leurs actionnaires qu'à la diffusion du savoir. Avec le recul, c'était une erreur majeure. Les périodiques électroniques ont remodelé nos bibliothèques. Il y a tout d'abord eu une disparition des collections papier qui se trouvaient sur les rayonnages. Les bibliothèques ont fondu, se sont rapetissées, et puis, pendant le même temps, leur budget, leurs besoins financiers explosaient. Aujourd'hui, je parle évidemment c'est ce que l'on appelle la bibliothèque désertée. C'est le titre d'un article aujourd'hui célèbre qui date de 2001. On verra que c'est physiquement déserté, mais intellectuellement toujours activement utilisé par les chercheurs. Je parle évidemment des domaines particuliers que sont la science, la médecine. Le problème des sciences humaines est un petit peu différent, on le verra après. Est-ce que cela concerne aussi la lecture publique? Il est amusant de revenir en arrière dans ce domaine-là aussi. L'arrivée est parfois pénible des ordinateurs dans les bibliothèques de recherche n'a pas été sans faire un certain nombre de remarques, notamment de spécialistes de la lecture publique qui nous ont dit « Ceci ne concernera jamais les bibliothèques de lecture publique ». Là aussi, c'était mal vu. En 1977, Simon Nora, Alain Minc publie un livre désormais célèbre, « L'informatisation de la société, rapport au président de la République ». Dans cet ouvrage, aujourd'hui un peu oublié, tous les éléments de notre société actuelle ont été mentionnés. Le problème des télécommunications, on parlait de Transpac et non d'Internet. Le problème de la confidentialité des données, on parlait de l'hégémonie d'IBM sur la société qui allait tout savoir sur nous, Big Brothers. Aujourd'hui, on dit la même chose de Google. Enfin, les choses avaient été vues de cette façon. Par contre, les auteurs avaient également bien vu que l'utilisateur final, le grand public, allait utiliser l'ordinateur. Cela a conduit la France à construire le Minitel. Il est aujourd'hui parfaitement logique qu'il ait disparu, mais ça a été quand même le seul et le premier pays où le grand public a utilisé de façon intensive l'informatique. Ces transformations n'allaient pas seulement toucher les domaines administratifs et scientifiques, mais également s'étendre à la culture et au domaine des loisirs et de la lecture. Nous sommes aujourd'hui dans une société numérique. De façon étonnante, les premiers contenus numériques massifs arrivés dans les bibliothèques l'ont été dans les médiathèques, qui se mettaient au point pour présenter des cassettes vidéo, rapidement des disques et ces galettes de plastique de 12 cm étaient les premiers contenus numériques matériels que l'on utilisait massivement dans les bibliothèques. Le CD audio remonte à 78, suivent les CD-ROM en 85. Là, quelques-uns de mes anciens collaborateurs sont là et se rappellent de cette époque où nous avions pu en acheter au Segès. Nous étions les premiers en Europe continentale à avoir un lecteur de CD-ROM. On y trouvait déjà des livres bien particuliers, les encyclopédies. Tout le monde a connu Grolier, tout le monde a connu Encarta, vendu par Microsoft. Aujourd'hui, tout ça est remplacé par d'autres médias, notamment un média bien particulier, dématérialisé et d'un modèle économique totalement différent,
Wikipédia. Là, certains connaissent mes goûts musicaux. La musique interprétée va rapidement se dématérialiser. On n'ira plus chercher les derniers tubes à la médiathèque ou à la discothèque, mais sur Internet, de façon légale, ou certainement en plus, de façon illégale. Le mouvement était lancé, les objets culturels, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur valeur, allaient être dématérialisés et se trouver désormais dans les nuages, comme on en dit aujourd'hui. Le livre numérique est né de la littérature grise. Les appareils techniques, les rapports techniques, les thèses produites par les chercheurs sont nés sur des ordinateurs et ont été conservés depuis 20 ans sous cette forme. Je ne vais pas m'attarder sur la lecture loisir que vous avez pu voir au Salon du Livre, que vous avez pu voir dans les journaux. Disons simplement qu'il existe 600 000 titres disponibles commercialement en anglais et de l'ordre de 60 000 titres commercialement disponibles en français. On trouve dans ces sommes toutes sortes d'ouvrages, des ouvrages scientifiques, mais bien plus des ouvrages grand public, de loisirs, des essais, et des romans, de la poésie, tout ce que l'on trouve. D'autres sources sont aussi disponibles sous forme de numérisation rétrospective. Hein. On a Google Livres et plus de 4 millions de livres disponibles dans le domaine public sur Google Livres par rapport aux 20 millions qui ont été numérisés jusqu'à aujourd'hui. 300 000 dans Gallica et 26 000 dans Rerodoc où on trouve pas mal d'informations tant qui concernent les bibliothèques de lecture publique que les bibliothèques scientifiques ou scolaires. Une touche de poésie dans un monde de brutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, très récemment, le journal officiel de la République française a entériné le terme « liseuse » comme terme officiellement reconnu pour les supports matériels de livres électroniques. Sans parler des tablettes, qui sont beaucoup plus riches, que vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi et que vous utilisez par ici. Avec ces nouveaux supports, je me trouve aujourd'hui totalement déconnecté de ma bibliothèque, de mon libraire, de mon kiosque à journaux. Je peux recevoir sur mon Kindle chaque jour Le Monde, qui est le journal que je veux lire, et qui m'arrive automatiquement chaque fois que je passe devant un Wi-Fi free. Donc on a un éloignement des sources matérielles de documentation, on a un éloignement de tout terminal, de tout appareil informatique proche que l'on peut aujourd'hui. Donc, cette idée a un certain nombre d'influences. Aujourd'hui, sur un appareil comme ça, qui coûte 99 euros, je peux mettre 1200 livres environ. Dans 3 ans, il est à peu près certain que je pourrais en mettre 3 fois plus, 5 000, 6 000, sur le même appareil, coûtant toujours 100 francs. Ça signifie quoi? Cela signifie qu'un professeur d'université en faculté des lettres lit dans sa carrière de 5 à 6 000 livres, à raison de 3 livres complets par semaine. Hein? 3 livres complets par semaine, il lit d'autres, il en a pas, il entend parler d'autres, travaille naturellement sur des sources plus nombreuses, mais lecture complète à raison de 3 livres par semaine de 20 ans à 60 ans, on arrive à 5 ou 6 000 livres. C'est-à-dire que je vais pouvoir me promener quasiment avec toutes mes sources sur un appareil à 100 francs que je peux emporter partout. Ce professeur pourra se promener, se déplacer, participer à des colloques, suivre ses étudiants avec toutes ses lectures, ses références dans sa poche. S'il est un petit peu plus actif, il peut également choisir une tablette et pouvoir également annoter, développer, souligner les œuvres qu'il aura lues.
Donc c'est une première évolution dont on n'a peut-être pas tout à fait conscience, mais qui est en train de redistribuer totalement les cartes dans le domaine documentaire. Ces changements de technologie, qui sont assez simples, qui ne coûtent pas cher, que n'importe qui d'entre vous, du grand public, qui n'a jamais fait d'informatique, peuvent maîtriser facilement. Nous avons donc une indifférence quant au lieu du savoir, quant au lieu de l'apprentissage et de la formation permanente. Toutes les cartes sont redistribuées, celles qui traditionnellement étaient occupées. Ces cartes sont redistribuées, y a-t-il vraiment une place pour les bibliothèques? La situation de notre profession est désespérée, mais pas encore sérieuse. Industrialisation des savoirs. Effectivement, nous voyons apparaître quelque chose de différent, une évolution assez fondamentale. Les canaux de communication du savoir, du papier au numérique, est désormais aux mains de groupes industriels qui agissent pour le bien de leurs actionnaires avant d'agir sur la libre circulation du savoir. Ces multinationales ne s'en cachent pas. Le savoir scientifique et les produits culturels sont des informations qui peuvent être monnayées en continu. Elles sont commercialisées une première fois au moment de leur mise sur le marché, et puis à chaque consultation, elles vont continuer à pouvoir être monétarisées. C'est une transformation assez importante de tous les circuits scientifiques et culturels que nous connaissions jusqu'à aujourd'hui. La location remplace la vente, nous l'avons vu avec les périodiques électroniques. Les bibliothèques n'ont pas grand-chose à négocier là-dedans. Le droit contractuel remplace le droit d'auteur, c'est-à-dire que le droit d'auteur que nous avions tant bien que mal mis au point entre les éditeurs et les bibliothèques, permettant un certain nombre d'activités, comme le prêt entre bibliothèques, comme la photocopie rémunérée, etc., eh bien tout ça est remis en cause par les contrats qui nous sont filés clé en main par les éditeurs et que nous n'avons aucune possibilité de négocier. Nous pouvons également parfaitement arriver à discuter sur les prix, un tout petit peu, moins 2% sur 1 million, mais les contrats restent entre les mains des auteurs. Nous pensions que le commerce du livre était immuable, le monde a changé, les éditeurs imposent leurs contrats, nous ne pouvons pas négocier. Et puis enfin, il y a la vente, revente à nouveau. Désormais, nos institutions n'ont plus de place dans le nouveau modèle. On va voir qu'il existe une évolution assez importante. Le dernier soubresaut de ces liens, de ces relations entre les éditeurs et les bibliothèques, c'est le procès qu'Elsevier fait à la bibliothèque de l'École polytechnique fédérale à Zurich, qui a été véritablement le moment fort de la distribution des photocopies sur tous les articles scientifiques à l'industrie, aux chercheurs, aux universités suisses. Eh bien, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir là en bas, la bibliothèque se retrouve au tribunal commercial de Zurich pour abus de travail. Donc, le prêt entre bibliothèques est totalement remis en cause par les éditeurs qui veulent revendre à nouveau pendant des années, pendant 50 ans, pendant 70 ans, les mêmes articles qui ont été lus jusqu'à présent. Avec ces appareils, arrive encore un nouveau phénomène absolument catastrophique. Lorsque j'achète un Kindle ou j'achète un iPad, je vais pouvoir acheter des livres sur Amazon, je vais pouvoir acheter des livres sur eBook Store, mais je n'arriverai naturellement pas à passer des livres de l'un à l'autre. Et c'est voulu par les fabricants, c'est voulu par les éditeurs qui font des contrats d'exclusivité. Nous sommes dans un monde où, avant, nous arrivions à fusionner, agréger les collections de livres papier. Aujourd'hui, nous sommes dans des mondes fermés et nous devons vivre avec ces mondes parallèles. Si j'achète un livre pour Kindle, je n'arriverai même pas à le transférer sur le Kindle de mon épouse, hein, parce que
la vente d'un livre est liée à un numéro spécifique d'appareil. Ensuite, eh bien, les non-contents de ce genre de situation, les éditeurs ont placé des verrous électroniques dans tous les livres électroniques. C'est-à-dire que je ne peux pas copier un livre, je ne peux pas l'utiliser, le passer d'un appareil à l'autre. Nous sommes dans un monde bloqué, et c'est ça, c'est les fameux DRM, Digital Rights Management, qui vont totalement bloquer cette situation. Alors, évidemment, les bibliothécaires américains et les lecteurs américains sont fous furieux et s'opposent à ce genre de choses actuellement sans grand résultat. Et puis, nous arrivons à quelque chose que même Coluche n'avait pas encore inventé, ce sont les livres chronodégradables. C'est des livres qui se dégradent avec le temps. Vous achetez quelque chose, les livres papier disparaissent avec l'acide contenu dans le... Eh bien, les livres électroniques s'autodétruisent, soit au bout d'une certaine durée de temps, 15 jours, 3 semaines, 3 mois, soit après un certain nombre de lectures, 26, 56 lectures, eh bien, le livre s'autodétruit, évidemment, à la colère des... bibliothèques américaines qui proposent de boycotter les éditeurs qui font ça, notamment Harper et Collins. On voit donc que le prêt de livres, donc le basculement tranquille du livre papier vers le livre électronique, que je crois qui est formidable, qui est une bonne chose, que c'est extrêmement agréable de se promener et de lire avec ça, sur la plage, dans son... j'ai pas encore essayé le bain, mais enfin, dans beaucoup d'endroits, vous arrivez à lire des choses tout à fait... Eh bien, les multinationales ont dit, on va aussi faire du prêt. L'escroquerie, c'est ce que vous pouvez voir ici, ils parlent de « lending library ». Lending Library, c'est tout ça, sauf ça. Ce n'est pas une bibliothèque de prêt. C'est une bibliothèque sur laquelle vous devez payer à chaque fois que vous voulez emprunter un livre qui va durer quelques jours. 15 jours, 14 jours, etc. Et puis pire, là-bas, vous avez une autre escroquerie de la part de... Il dit « borrow for free », emprunter librement. Oui, pour autant que vous soyez membre de Prime d'Amazon, c'est-à-dire que vous ayez souscrit un abonnement. Donc ce genre de choses, techniquement, est absolument facile à organiser. Par contre, en tant que modèle économique, c'est un, totalement différent de ce que nous pratiquons avec le livre papier. Deux, nous avons un transfert vers les domaines, vers les multinationales de la culture et du savoir. Alors, le modèle économique est déjà connu. Les grands groupes internationaux savent qu'à partir d'un certain moment, on doit obtenir le prix de vente des livres, et puis qu'à partir d'un moment, eh bien, on va demander environ $2 pour emprunter un livre. Donc, c'est des choses... cela ne répond pas du tout à un essai. C'est quelque chose qui est calculé à l'avance et qui est extrêmement bien fichu. Alors, les bibliothèques, eh bien, nous trouvions, là on ne voit pas bien, mais c'est bibliothèques publiques, scolaires, universitaires. Nous vivions dans notre monde en essayant de satisfaire notre public, les publics que nous avons pour mission de soutenir. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout d'abord identifié dans les bibliothèques les services qui allaient pouvoir être monétarisés. Qu'est-ce que dans une bibliothèque, qu'est-ce qu'on pourrait bien vendre dans son fonctionnement? Et alors, effectivement, vous avez Apple, Amazon, Elsevier, Springer, Google. Tout ça, c'est des gens qui disent qu'il y a un certain nombre d'activités tenues par les bibliothèques, autant qu'on le fasse nous et qu'on continue à vendre les articles de nos périodiques, les livres que nous voulons consulter. Et puis, on va laisser quand même quelque chose aux bibliothèques, c'est le back-office. Eh bien, allez-y dans le catalogage, l'indexation, la classification, la mise en valeur. Ça, c'est des choses sans valeur ajoutée, sans valeur monétarisable. Eh bien, laissons ça aux bibliothèques. Donc, on voit qu'on est en train de basculer d'un modèle classique, traditionnel, qui fonctionne depuis le XVIe siècle, vers un modèle nouveau qui se met en place progressivement. Ce qu'il y a, c'est que le secteur privé, non seulement... contient, non seulement maîtrise les technologies, ça, c'est quelque chose que l'on maîtrise parfaitement, mais
il maîtrise également les contenus. Contenus scientifiques. Hein. Elsevier, c'est Elsevier, Springer, etc., maîtrise les contenus scientifiques. Apple propose désormais des iPads préchargés. Tous les livres scolaires nécessaires à un certain niveau sont maintenant offerts par Apple, qui propose à la vente des ouvrages préchargés. Donc on voit également les fonctionnalités des bibliothèques scolaires qui sont en train de migrer vers le modèle économique que souhaitent nous imposer les multinationales. Les loisirs, eh bien Amazon, la Fnac, Numilog, on voit extrêmement bien ce qu'ils cherchent à nous vendre. La musique, ça fait des années que les disquaires se plaignent que le nombre de ventes de CD diminue au profit notamment d'iTunes chez Apple. Et puis le patrimoine, eh bien maintenant, nous avons une main mise sur le patrimoine mondial de la part de Google. On pourra en parler, Hubert Alai pourrait aussi présenter son point de vue. Mais à raison de 20 millions de livres numérisés, alors que c'est quelque chose qui va à une vitesse catastrophique dans nos institutions, où on met beaucoup d'énergie et d'argent pour faire ce genre de choses, eh bien, le patrimoine est aux mains d'une multinationale qui réalise des bénéfices sans... Alors, sommes-nous dans un changement total de paradigme ? Sommes-nous, les technologies nous induisent-elles à un changement total de paradigme ? Eh bien, les services, les universités ont eu un certain nombre de réactions, tardives mais réelles. C'est notamment d'abord par les chercheurs, de manière informelle, les archives ouvertes, où on voit que les physiciens ont très rapidement mis leur structure, leur preprint au sein de grands réservoirs de preprint pour faire circuler l'information encore plus vite. Puis il y a eu des mouvements un peu plus formels, comme l'open access, avec un contrôle des publications. Ce sont des mouvements qui vont à l'encontre de la privatisation du savoir et des contenus numériques payants. Des universités comme Stanford, Berkeley, ont commencé à lancer des presses universitaires proposant des périodiques électroniques à des coûts raisonnables de l'ordre de $200 où n'importe qui peut s'abonner, voire même avec des longues traînes gratuites. Et puis des organismes, notamment alors au niveau formel, des organismes européens ont participé à la déclaration de Berlin qui dit que au moins tout ce qui est du ressort des universités, de la recherche faite dans les universités, doit être automatiquement en libre accès, même si elles sont publiées dans des revues payantes. Ça, c'est une première chose. Mais maintenant, cette obligation est contestée par le Sénat américain, qui dit que ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer aux éditeurs, même s'ils vendent très cher leurs publications. Donc on voit que non seulement les éditeurs ont un certain nombre d'idées pour se réapproprier le contenu scientifique, le savoir, mais également ont un lobbying extrêmement fort auprès des parlements américains dans le cas. Mais vous avez peut-être vu que même l'université la plus riche du monde, qui peut se payer quasiment tout ce qu'elle veut, Harvard, commence à se mobiliser pour quitter ce modèle économique. Puis nous avons peut-être un autre, donc ça c'est les éléments d'espoir, une évolution profonde du droit d'auteur. Vous vous souvenez qu'au cours des dernières années, tout le droit d'auteur a évolué, notamment pour satisfaire les demandes des éditeurs, des industries culturelles, des industries du savoir. Le Sénat américain a voté, il y a quelques années, une fameuse loi, la loi dite Mickey Mouse. Pourquoi ? Parce que les personnages de Disney
allait tomber dans le domaine public. Ils ont vite prolongé, à la demande de Sony, notamment, qui est propriétaire de Disney maintenant, de prolonger le droit d'auteur pour pouvoir continuer à recevoir des dividendes sur ces productions. En même temps, ils prolongeaient le délai des publications scientifiques. C'était encore un coup de maître pour les éditeurs scientifiques comme Willet, comme Elsevier, qui se trouvaient d'autant prolongés. Donc, je vous signale simplement qu'il va nous arriver un peu la même chose. Si vous êtes fâché avec ce type de regarder ce que va dire le Parlement helvétique concernant une fameuse loi qu'on cherche à imposer à la Suisse qui s'appelle ACTA. C'est un peu la même chose, mais c'est en pire. Là, le durcissement de la loi est-elle inéluctable? Eh bien, c'est évident que les chercheurs, les individus, les jeunes ont cherché à contourner ces industries du savoir, notamment par la piraterie, le piratage. Eh bien, ma déontologie personnelle m'indique que je ne peux pas vous donner les moyens de contourner ce type de publication. Mais d'autres n'ont pas ce scrupule. On voit que le HEG a d'excellentes sources pour vous voyez un petit peu ce que vous trouvez. Si je ne peux pas vous le dire, vous trouverez ça à l'infothèque qui se trouve juste à côté. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir l'auteur de la préface. L'auteur de la préface est un homme qui s'appelle Lawrence Lessing et qui a publié un ouvrage extrêmement intéressant sur le problème des contenus intellectuels, scientifiques et culturels qui s'appelle « L'avenir des idées ». Et vous voyez ce que dit le sous-titre. Donc Lawrence Lessing, c'est l'auteur, c'est le préfacier et l'auteur de cet ouvrage, et cet ouvrage parle des biens communs. Il est évident qu'à un moment donné, on ne peut pas tout breveter, on ne peut pas tout couvrir sous le régime du droit d'auteur, et qu'il y a un certain nombre disons, c'était extrêmement difficile de le faire avec les publications papier. C'est beaucoup plus facile de le faire avec les publications électroniques. Donc, on voit un petit peu l'évolution qu'il y a. Les biens communs, c'est en fait un certain savoir qui doit être à la disposition de tous gratuitement, quel que soit son lieu et quel que soit son âge, quel que soit son pays. Et ce qui est intéressant avec Lessing, c'est que c'est un professeur de droit qui est un ami, conseiller et ancien collègue de Barack Obama, qui est aussi un professeur de droit. Donc, Obama et Lessing ont travaillé ensemble à l'université de Harvard. Donc, on peut imaginer que lorsque Sarkozy demande le futur des disques, et qui dit que c'est le piratage qui empêche de vendre les disques. Non, c'est d'abord Apple. Les gens vont sur iTunes, achètent leurs disques. Donc on voit que d'un côté, on a un président des États-Unis qui s'adresse quand même à des personnes qui sont au plus courant du domaine, alors que notre ami Sarkozy, lui, s'occupe de la vente des galettes en plastique. L'âge d'or des bibliothèques est-elle derrière nous? Oui, il y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu inquiétantes. Soyons réalistes, il y a peu de chances que le modèle traditionnel des bibliothèques se développe et crée des emplois. Il y a tout à parier, au contraire, que les bibliothèques et centres de documentation, au cours des prochaines années, perdent des postes de travail. Pas seulement en raison de l'évolution technologique. Il y a l'évolution technologique, économique ou juridique. En Angleterre, le gouvernement conservateurs ferment les bibliothèques publiques par centaines et les confient à des bénévoles. La bibliothèque objet culturel intouchable est derrière nous. Nous avons vu au cours des années 70-90 la construction de magnifiques bibliothèques. Il y a d'Origny, il y a Bibliothèque de la Cité, donc vraiment des ouvrages emblématiques. Eh bien, il y a fort à parier que ce genre de choses ne va pas se passer bien longtemps. Le symbole était à l'exemple de La Haye aux Pays-Bas,
où la municipalité voulait se trouver dans le même bâtiment que la médiathèque. Donc les autorités publiques voulaient être associées à un bâtiment emblématique, incontesté dans leur cité. Le milieu politique voulait être associé à un intérêt culturel. On voit encore naître des Rolex Learning Center, mais si l'on regarde ce qui se passe en Allemagne, eh bien, on propose tout simplement de supprimer la moitié des bibliothèques. Hein. Donc, 4000 bibliothèques au lieu de 1200, serait-ce l'apocalypse? Eh bien, un de ceux qui a signé ce document, c'est simplement le président de Pro Helvetia, chargé de promouvoir la culture de notre pays. On peut se tromper, on peut toujours se tromper. Est-ce que tout ce que je vous raconte, c'est faux? Peut-être, on ne sait pas, on va voir. J'ai essayé au cours de ma carrière d'anticiper les évolutions technologiques, aidé par des amis comme Bernard Levrat ou Hubert Villard. Ou organisationnel, lorsqu'on a dit que le futur des bibliothèques était les réseaux, c'était Pierre Gavin. Globalement, nous ne nous sommes pas trop trompés. J'ai aussi fait quelques erreurs magistrales, en pensant que le vidéodisque était un média d'avenir. Miser sur l'analogique était une erreur fondamentale. J'ai même demandé à une collaboratrice de participer au projet collectif d'OCLC appelé Cork, le catalogage du web. C'était une pure utopie, c'était une folie prétentieuse. Évidemment, des milliers de bibliothèques ont pensé la même chose, mais voilà. Je n'ai pas été le seul à me tromper. J'ai dit à ma chère école qu'il fallait enseigner les méthodes mathématiques de recherche documentaire publiées dès 68 par Solton. Je n'ai pas été suivi. Ces méthodes sont aujourd'hui au cœur de Google et des autres moteurs de recherche. Paf. Prédire l'avenir. Ah oui, quoi, enfin, qui aime bien châtie bien. Bon. Il y a fort longtemps, prédire l'avenir était le métier dévolu aux prophètes et aux astrologues. Puis, l'avenir a été remis aux mains des experts et des technocrates dont le mode de pensée était le suivant. Le passé et le présent sont connus, les facteurs d'évolution sont connus, la causalité est linéaire, donc le futur est prévisible. Conception simpliste, comme nous le rappelle Edgar Morin en 1981. Cela ne suffit pas de penser correctement, d'avoir vu un certain nombre de choses pour prévoir le futur. L'état du monde présent contient dans sa puissance un certain nombre de germes du futur que nous ne voyons pas parce que ce sont des germes trop petits et qui sont encore invisibles à nos yeux. C'est exactement ce que disait Bill Gates, aujourd'hui retiré, mais qui à l'époque était quand on l'interviewait et qu'on lui demandait quels sont vos plus grands concurrents. Bill Gates, en 1998, répondait la chose suivante. Ce que je crains le plus, c'est un type dans un garage en train d'inventer un truc complètement nouveau. Au moment où Bill Gates disait ça, Google était inventé au sein d'un garage de Mountain View. Le futur des bibliothèques, comme d'autres activités humaines, sera donc un cocktail inconnu mélangeant le prévisible et l'imprévisible. Le prévisible, j'espère vous en avoir donné quelques volets qui m'inquiètent. L'imprévisible vous sera apporté au cours des prochaines années par les jeunes bibliothécaires qui doivent bien se trouver dans cette salle. Je vous remercie. C'est mes dernières. Avez-vous des questions? Waouh! C'est là? Tu les as assommés, hein? Oui? Moi, j'aimerais juste savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'idée du boycott? Si vous êtes. Il y a des scientifiques dans cette salle.
certains scientifiques doivent publier dans certaines revues. Certaines universités proposent de boycotter certaines revues. Les bibliothèques publiques américaines boycottent clairement un certain nombre d'éditeurs. C'est évident que ça fonctionne si on fixe une ou deux actions très ciblées en disant Harper & Collins, Elsevier. Je ne suis pas sûr que si tout à coup il faut boycotter 50 éditeurs, 4000 périodiques, ça soit très efficace. À ce moment-là, le système s'écroule pour celui qui est boycotteur. Donc tant qu'on est sur des choses très ciblées, je pense qu'il y a une certaine façon de réussir, dans d'autres, je suis très sceptique. D'autres questions ? Oui, monsieur ? Finalement, aussi, ce que vous dites sur le droit d'auteur, c'était déjà vrai au temps d'imprimerie, c'est surtout un droit d'éditeur, et ceux qui défendent le plus l'allongement du droit d'auteur et la restriction que le droit d'auteur impose, ce sont les éditeurs. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'était l'année dernière, quoi, que la carrière du est tombée dans le domaine public. À peu près 100 ans après la date de son écriture, ça pose quand même de sérieux problèmes. Est-ce que les droits d'auteur ont protégé l'auteur mort il y a près de 100 ans? Et qu'est-ce que ces droits lui ont apporté pendant près de 100 ans après sa mort? Est-ce que pour la lecture publique, en tout cas, les auteurs et les écrivains n'auraient pas intérêt à eux-mêmes imposer une réduction des contraintes qu'impose le droit d'auteur? Alors, c'est une des solutions qu'apporte Lessing, c'est de dire publions sous Creative Commons. C'est-à-dire, on ne peut pas enlever le nom de celui qui a écrit quelque chose, on ne peut pas le réutiliser de façon commerciale. Par contre, il est en libre accès à disposition de tous. Alors, il y a maintenant un certain nombre de... même de groupes rock qui est plutôt actifs, connus, qui disent on va faire notre argent sur les concerts, par contre, notre musique interprétée est à libre disposition en Creative Commons, on ne peut pas la réutiliser pour certains nombres de choses, à part les documents scientifiques, je ne connais rien de type lecture publique, à moins que ce soit des auteurs auto-édités. Hein. Mais les Creative Commons sont une des solutions pour contourner ça, mais effectivement, il faut que ce soit suivi massivement. Vous avez cité la notion de droit contractuel, et puis vous l'avez mis dans votre futur des bibliothèques comme quelque chose de prévisible et d'inquiétant. Aujourd'hui, on a vu que le chiffre d'affaires de la distribution de la musique traditionnelle a beaucoup diminué. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le même phénomène qui va se produire pour la distribution des ouvrages sous forme de livres ou électroniques, et que finalement, il est simplement ralenti parce qu'il y a des communautés qui sont d'accord de payer des sommes importantes selon ce nouveau droit contractuel? Alors, juste pour la musique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a effectivement une diminution drastique de la vente de disques. Ça, c'est incontestable. Par contre, notre ami Apple, qui tient iTunes, ne nous dit pas comment se fait le transfert. Hein. Donc, il y a certainement un transfert du matériel vers la culture, la science dématérialisée, ça c'est absolument... De combien? C'est un secret industriel sur lequel Apple ne nous dit absolument pas. Rien. Alors là, c'est... Maintenant, il y a aussi... moi, je ne suis pas spécialiste du droit d'auteur, je suis, disons, par rapport à ce que j'ai pu voir, voilà un petit peu les évolutions que j'ai pu sentir. J'avais entendu une fois Henri Dess, le matin, qui parlait justement du transfert du disque vers MP3. Il n'a pas eu l'air de dire qu'il perdait énormément d'argent alors qu'il vendait beaucoup moins de disques. Donc au contraire, parce que les disques, c'était quand même relativement cher, alors qu'acheter un morceau, c'est beaucoup moins cher. Donc on a tendance à en acheter beaucoup de morceaux sans se rendre compte qu'à la fin, on aurait peut-être acheté un disque en entier. Donc je crois effectivement que les modèles économiques, ils ne perdent pas entièrement leurs affaires, les vendeurs de musique.
Autre question ? Oui ? Juste sur ce point-là, je crois que la somme totale a baissé. Donc juste pour vous dire, par rapport, les optimums étaient atteints dans les années 70, mm-hmm. apparemment, hein, dans les années 70. Avant ça, ça avait baissé un petit peu parce qu'il y avait des copies, on gravait des CD-ROM dans les magnans, etc. Et globalement, il y a une, la valeur totale a baissé. Voilà, juste pour dire. Je crois que globalement, par rapport aux optimums de 70, la valeur totale du marché des biens de musicaux a baissé. Oui, mais par rapport aux années 70. Par rapport aux années 70. Ouais. Donc tu ne mets pas le disque par rapport au non. MP3. Non, ouais. Voilà, il ouais. a baissé globalement. Et moi, je pense que par contre, ce qui va se passer, c'est que l'ensemble, il enfin, y a eu des vues, il y a eu des pires pires qui sont arrivés quand même, et c'est de la musique qui a eu. Oui, 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 tout à fait. Probablement se passer, et ça continue, hein, c'est pas parce que on a eu des lois qui ont été votées que ça s'est arrêté. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été. C'est pour ça qu'il y a quand même une réaction, les gens ont des réactions saines. D'ailleurs, pas tellement dans nos milieux. Je suis toujours étonné à quel point nos milieux sont extrêmement respectueux de la totalité des corpus légaux, même quand ceux-ci sont totalement inexistants. Non, c'était un petit peu, c'est un petit peu le bon, j'ai eu une prise de position assez ferme concernant le prix unique du livre. Je peux développer, puisqu'on m'avait dit de me limiter dans la tribune à 3000 caractères. J'estime que les collectivités genevoises payent plus d'un million. Hein, les collectivités publiques genevoises, à travers leurs bibliothèques, payent plus d'un million. Aux distributeurs du livre imprimé en Suisse ou à l'étranger. Nos livres sont environ 40 à 80% plus chers en Suisse qu'en France. La différence va chez les distributeurs. Si les bibliothèques genevoises payent pour plus de 3 millions, un peu plus de 3 millions pour la ville de Genève, à peu près cet ordre de grandeur, un peu plus de cet ordre de grandeur pour l'université, eh bien, ce sont des millions qui partent chez les distributeurs. Hein? C'est des millions. Il fallait d'abord réduire le prix du livre à un coût raisonnable avant de fixer le prix unique. Comme on a voulu prendre le contraire, eh bien, voilà où on en est. Oh ben, la loi n'est pas facile. Ben oui. Pablo, tu... Non, non, ça, j'y crois beaucoup, alors. J'y crois beaucoup, je crois beaucoup aux liens, je crois beaucoup qui doivent être des biens communs. Hein. C'est les biens communs, c'est quelque chose qui doit être à disposition de tous. Savoir que tel livre cite tel autre, et de tous ces liens, donc le web sémantique, c'est pas tout à fait comme ça le thème qui aurait dû être utilisé. Mais enfin, c'est comme ça, les link data font partie des biens communs. Alors j'en suis persuadé, et ils ne doivent surtout pas tomber aux mains des collectivités privées. On voit déjà que Google Livre a des liens, mais incroyables, et c'est des liens que lui seul possède. Hein, ça c'est aussi... Alors, il y a quand même des choses, le fait que ce soit des bibliothèques nationales qui mettent au point, notamment via VIAF, hein, les Virtual Authority Files, ou des choses comme ça, que ces données, ces liens soient dans le domaine public, est une chose tout à fait encourageante, oui. Il y avait une question par là. Ah. C'était juste par rapport à la consommation de biens culturels. Peut-être que la musique diminue un peu, le CD, on ne sait pas, mais... De manière générale, les gens achètent aussi des jeux vidéo, des DVD. Ouais. Je ne suis pas sûr que les industries du divertissement se portent si mal que ça. J'approuve entièrement. Oui, Michel ? Je ne suis pas si sceptique que toi sur l'avenir, pour changer un petit peu de thématique, sur l'avenir des bibliothèques en tant que bâtiment. Je suis assez convaincu du fait que si la profession arrive à virer les documents pour faire de la place pour les gens,
qu'il y a un long avenir devant les bibliothèques. Mais il va falloir changer de paradigme. Alors, ça, c'est le lieu de sociabilité. Alors, oui, ça, c'est une des choses. La mise en valeur, la sociabilité, sont les valeurs portantes des bibliothèques. Elles ont besoin d'espace. Alors, ça, je suis entièrement d'accord. Mise en valeur, sociabilité sont, en tout cas, deux paramètres que... Et on ne sait pas mettre en valeur faire une exposition virtuelle dans iTunes ou dans Google Books. Hein, c'est des choses qui n'existent pas. Mais par contre, on peut faire des expositions virtuelles, on peut faire des expositions thématiques réelles. Alors ça, oui, tout à fait. Mise en valeur, sociabilité, lieu de discussion. Encore que maintenant, on discute. Avant, on avait des clubs de lecture. Ben maintenant, ça se fait un peu via le net. Hein, mais enfin bon, il reste quand même des espaces de sociabilité tout à fait intéressants. Et puis, au niveau... Mais ça c'est un débat qui date d'il y a nombreuses années. Nombreuses personnes vont à la bibliothèque pour être tranquilles, pour pas entendre le match de foot ou les discours électoralistes du voisin. Donc c'est aussi des choses où on veut être tranquille, on veut simplement travailler sur ses propres documents dans un lieu tranquille. Ça, c'est aussi des espaces qui restent... Alors, simplement, je dis, c'est ces kilomètres de rayonnage qui deviennent... Alors, quand on allait dans une bibliothèque de médecine, on avait une paroi entière d'index medicus. Eh bien, ça, c'est des choses qui... Il est absolument clair que c'est des choses qui disparaissent et qui vont restreindre les espaces publics ou matériels des bibliothèques. On va reléguer ça à Lucan. Là, j'ai vu que tu as des ennuis. Hein. dans des dépôts extérieurs, c'est tout à fait clair. Or, en réalité, le phénomène qu'on observe dans bien des domaines, c'est la valorisation à des coûts assez élevés de données extrêmement bien annotées. Ça, c'est peut-être le phénomène qu'on oublie un peu. C'est par exemple dans le domaine des sciences de la vie, se construisent en fait des bibliothèques. Extrêmement finement annoté avec des ontologies dédiées au domaine. Il y en a pléthore, en fait, sur le marché. Elles sont développées parfois commercialement, parfois pas. Elles sont en général couvertes par des entreprises, des labels graphiques communs, etc. Et c'est quelque chose que, à ma connaissance, dans ce domaine-là que je connais bien, il n'y a pas tellement d'équivalent ailleurs, c'est encore fait souvent par des entreprises publiques. Donc aux États-Unis, c'est souvent la NLM. De ces gens-là, en fait, ça peut être d'autres personnes en Suisse, par exemple, on en a ajouté. Et là, c'est quelque chose qu'on vend encore énormément, ça se vend énormément. Ça se vend aux entreprises pharmaceutiques, par exemple. Elles ont elles-mêmes en interne des équipes qui annotent ces données-là, c'est surtout autour du génome et des choses-là. Et donc, à mon avis, il y a quelque chose là-bas qui n'est pas encore bien thématisé. C'est-à-dire qu'on a encore besoin de données extrêmement enrichies pour pouvoir exploiter réellement les choses. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'était sommaire ma présentation. Par exemple, les manuscrits sans annotation sont presque inutiles. Hein. Donc on est obligé d'annoter certaines choses qui sont une valeur ajoutée extrêmement importante et qui est irremplaçable. Donc il fallait à un moment donné synthétiser, j'ai un peu synthétisé trop fort, mille excuses. Non, parce que je voulais dire que c'est en fait, là où vous avez raison, c'est que je crois que les bibliothèques ne savent pas le monétariser. Ah oui, ça c'est... C'est-à-dire que c'est monétarisable, mais c'est fait par d'autres acteurs. Ouais. Notamment, c'est des nouveaux. Je n'ai pas une question provocatrice. Que vous pensez-vous du retard du monde francophone dans tout ce qui est électronique? Parce que c'est un véritable désastre. On se lamente, mais on ne fait rien du tout. Il dit 60 000 titres, c'est quoi 60 000 titres? On va attendre que Amazon s'en occupe pour réagir, quoi. Je comprends.
Je suis pour rien, c'est pas moi. J'essaie, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. De temps en temps, on voit, Cabedita est un peu présent dans Google Livre, Dro est un peu présent dans Numilogue, mais c'est massivement qu'on devrait y aller, que les éditeurs genevois devraient être présents là-dedans. Je crois qu'il y a aussi une volonté des auteurs, des éditeurs, quel que soit leur niveau, d'être présents dans ce genre de choses. Actuellement, tout le monde a peur de se faire truander. C'est pas faux, hein, à la base. Mais enfin, on peut faire des contrats de 4, de 5 ans, simplement permettant disons, d'amortir les investissements qui sont faits par certains. Et puis après, dire, au bout de 5 ans, on regarde un petit peu où on en est, au niveau des revenus, des coûts, etc. Alors là, les gens sont frileux. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Tout le monde a peur de se faire avoir. Vous regardez les Canadiens, vous regardez les Québécois, ils sont en plein là-dedans. Mais là j'ai une anecdote à ce sujet sur l'éditeur Lisanne m'a expliqué récemment que, en fait, depuis que ces livres sont qu'il a volontairement en fait mis à disposition ces livres sur Google, en fait, ça représentait quasiment la moitié de ses ventes. La moitié de ses ventes, finalement, passaient par le canal, de Google. Et la moitié autre via les détaillants classiques, en fait, de libraires. Ce qui est assez intéressant. Après, non, parce que là il parlait, alors, il parlait du livre physique. Hein, donc évidemment. Le rebond que Google donne sur les librairies Amazon. Qui peut vendre directement. Et ça, c'est Amazon en tant qu'éditeur qui parle. Hein, ce n'est pas libraire, c'est en tant qu'éditeur qui parle. Et lui peut vendre directement ses livres, alors qu'il aurait dû passer par un distributeur qui lui prenait 30%. Donc il y a une valeur ajoutée, et ça, c'est une des choses importantes pour les éditeurs, d'être présent là-dedans. Ça permet de faire des ventes directes. Alors évidemment, Les premières victimes, c'est les libraires. Là, alors, je crois que, à tout point de vue, c'est ceux qui sont le plus à plaindre dans cette situation. Je voulais faire peut-être aussi une remarque sur le livre électronique. Je serais peut-être un peu moins pessimiste sur cet univers totalement captif qui existe. Enfin, maintenant, effectivement, cette verticalisation entre les contenus et puis les supports de lecture, et les entraves que cela entraîne pour les utilisateurs, à mon avis, elles me semblent totalement intolérables. Et peu tôt ou tard, ce modèle de DRM va éclater. Alors, un bon modèle qui peut... Je pense aussi, si vous vous souvenez de la vidéo, on avait 5-6 normes. Il y en a une qui s'est imposée. Au niveau des CD, il y avait 5-6 normes. On a dû attendre le livre jaune, je crois, sur les CD pour que les Japonais, entre eux, plus avec les Américains, se mettent d'accord. Donc il y a certainement... Non, actuellement, c'est bloqué. C'est pas bloqué pour l'éternité, ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, tout ce qu'on aura acheté, on l'aura acheté bloqué pour l'éternité. Ouais, juste une remarque à propos des liseuses. Moi, ça ne me choque pas tellement d'être chez Amazon et de me dire que mes livres sont bloqués là-bas. Je veux dire, quand j'étais un lecteur de livres, papier, que j'habitais Lausanne, ma seule voie de salut, c'était Payot. En dehors de Payot, rien du tout. Les livres anglais, j'attendais des mois et des mois avant de les recevoir. Donc, je suis moins... j'ai pas beaucoup de peine des fois pour les libraires, quoi, je veux dire, même des fois un peu pour les bibliothèques qui à mon avis pendant longtemps ont été dans une léthargie complètement surréaliste. Quand j'étais élève à l'école bibliothécaire dont vous étiez le directeur, en
entre midi et 2h, il n'y avait pas de prêt à la BPU. Je veux dire, comment est-ce que vous allez aussi se mettre à la place de l'usager final? Je veux dire, moi, le futur des bibliothèques, je le sens un petit peu, il y aura le patrimonial et le très pointu, et tout ce qui est au milieu va complètement éclater, quoi, parce que ça ne servira à plus rien du tout. Dernièrement, j'ai fait une formation à l'Uni en web technologie, bibliothécaire, parmi les élèves de mon nouveau professeur. Vous pouvez nous proposer une bibliographie? Oh, vous savez, moi, j'ai pas tellement de livres, je cherche tout sur Google. Donc, vous voyez, je me demande comment vous voyez le futur des bibliothèques middle range, je veux dire, ni patrimoniale, ni vraiment à la pointe de la recherche, genre learning center, etc. Est-ce que vous la sentez, en guillemets, mal ou... Je ne sens pas très bien le learning center, hein, pour tout vous dire, c'est un autre problème. Non, effectivement, moi, j'essaye d'un petit peu de poser les enjeux qu'il y a actuels. Il est évident que il y a des pans entiers qui vont disparaître. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et peut-être que ces bibliothèques vont diminuer, ça c'est certain. On ne va pas les diviser par deux, mais elles vont diminuer. Ça, c'est... Et si Cameron propose de donner les bibliothèques aux bénévoles sans leur donner de crédit d'acquisition, c'est simplement la mort des bibliothèques. Hein, on est tout à fait d'accord. Donc on a des choses qui sont inquiétantes. Là aussi, il y a une action publique, il y a des prises de position des politiques qui doivent sortir. Et qu'est-ce qu'ils veulent aussi, hein? Donc nous, on peut proposer un certain nombre de modèles, on peut proposer des services, on peut proposer en disant, ben voilà, si on passe par Overdrive, on peut proposer des livres à 50 centimes, à 90 cents le prêt. Est-ce qu'on facture ça aux utilisateurs? Est-ce que c'est la bibliothèque qui prend en charge ce coût? Eh bien, c'est une décision politique. Moi, je peux proposer ça à un conseiller administratif, voilà, telle solution, qu'est-ce que vous prenez, hein? Plutôt que de dire il faut voter un prix unique, sans savoir exactement de quoi il parle, qui file un million. Donc là, il y a un certain nombre de décisions politiques à prendre, mais il faut avoir le temps de leur expliquer. Ça, pour l'instant, je vois mal ces personnes écouter ce qu'on leur dit. Une dernière question. je viens un peu de l'extérieur, mais à autant de votre discussion, j'ai l'impression que vous posez des questions assez existentielles quant à l'avenir de votre profession. Oui. Entre autres, ce que tu appelais la dématérialisation du savoir, si j'ai bien compris, c'est le transfert d'un support cellulose à un support en résine, matériel, un support matériel, cellulose, plastique, vers un support dématérialisé. Ouais, ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas à envisager la transformation d'un dépôt et d'organisation, c'est ce que vous êtes finalement, dépôt et organisation du savoir en production active de documents en accès libre? Est-ce que c'est pas là la direction? À mon avis, ça, c'est un travail d'éditeur. Et nous ne sommes pas formés pour être des éditeurs. Justement, moi, c'est des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Et manifestement, il y a un substrat là qu'on peut prendre. Et puis, est-ce que celui-là ne devrait pas être transféré dans les mains des information scientists? Pourquoi pas, oui, c'est pas... Mais ça vous donne l'avenir. Non, moi, je voyais la première profession aussi au sein des grandes sociétés, aussi au sein de Google, aussi au sein d'Amazon. Ils auront besoin, à un moment donné, pour mieux vendre leurs produits, ils auront besoin de faire de la promotion pour des livres, de rassembler des livres par... Je pense qu'il y a une partie... des gens qui sont formés ici, qui sont formés pour non, quand même pas, mais qui ont été formés comme moi dans le papier, qui vont être formés pour manager de l'information, des liens culturels au sein de sociétés qui vendent de ces produits. Hein? Il y aura une partie, 20%, 30% des gens formés qui iront dans ces sociétés. Oui, mais ça ne tient pas compte du problème fondamental que vous avez. C'est que vous donnez quelque chose que d'autres vont. Oui. Enfin, non, c'est vrai. Ah bah oui, mais là on est tout à fait d'accord. Et que eux voudraient le garder pour eux.
Mais bien sûr. Alors ça, c'est clair. Concurrencer sur leur propre terrain. Non, alors ça, c'est clair. Ils reprennent ce que vous faites, vous-même faites ce que eux font. On n'a pas l'argent. C'est tout un problème d'argent, en fait. Si les bibliothèques se sont tournées vers Google pour la numérisation, c'est parce que les pouvoirs publics donnaient pas l'argent. Ça a été, en fait, de dépit qui sont tournés généralement vers Google. Je pense qu'il faut... Donc là, et après, c'est des choix politiques, mais à part ça, c'est des choix politiques qui sont extrêmement chers. Science de la vie, Highwire Press, excellente maison d'édition, fondée par le bibliothécaire de Stanford. Il faut être à Stanford pour pouvoir monter une maison d'édition, Science de la vie, travaillant avec les sociétés savantes, publiant des revues à des coûts raisonnables, de l'ordre de $200 l'abonnement annuel. Voilà plutôt une évolution. Je pense que reformuler le savoir, nous ne savons pas le faire dans chacune des sciences. Ça, c'est absolument certain. Il faut être biologiste, oui, médecin. Alors, franchement, quelle est la valeur ajoutée de lire lors d'une publication? Elle est faible. Nul. L'analyse, on est d'accord. C'est de la mise en page, c'est du design, éventuellement, c'est de la correction orthographique. Tout à fait. Tous les travaux que n'ont pas voulu faire les savants. Hein? 1950, 1970, les chercheurs ne voulaient plus s'occuper de leur publication. C'est leur erreur. On n'a pas à rattraper les erreurs des savants. Prenez ça, ça vous est offert. Oui, mais excuse-moi, c'est mon époux. Cher époux, tu es chercheur et je suis pas sûre que tu as envie de publier dans n'importe quelle revue qui fait pas partie justement d'un certain facteur impact, etc. Donc voilà, il est là le problème, c'est que de l'autre côté, on a des chercheurs qui ont besoin dans leur carrière de chercheur d'avoir une certaine reconnaissance. Cette reconnaissance, aujourd'hui, elle est fournie par un certain nombre d'éditeurs qui sont les éditeurs Elsevier, qui maintenant pompent financièrement les bibliothèques. Mais à un moment donné, je pense que les chercheurs vont comprendre. Et le fait que les universités prennent conscience de ça va vraisemblablement, comme par exemple Harvard, participer peut-être d'une réorganisation de la manière dont sont évaluées une carrière de chercheur. C'est-à-dire que ça fait un moment que je pratique mon école, je pop, cette discussion. Nous l'avons déjà eu quelques fois. Effectivement, entre les universitaires, ou les universités d'une manière générale, au vu de ce que j'entends encore en plus ce soir, vont réévaluer les paramètres d'évaluation de leurs enseignements. Ah oui, alors ça, c'est.